Bonjour, c'est Benjamin du Coq de la Place. Bienvenue dans ma cuisine aujourd'hui pour ma petite astuce de chef, comment réussir un œuf poché. Petite technique pour vos fêtes de fin d'année. Allez, suivez-moi. Pour un petit œuf poché bien réussi, on prend un petit bol. Papier film qu'on met par-dessus. On enfonce notre papier au fond du bol. On huile légèrement. Et on prend un œuf. On casse à l'intérieur. Alors, l'œuf, vous pouvez l'assaisonner comme vous voulez à l'intérieur. Là, je vous fais fleur de sel, piment d'Espelette. Pour vos fêtes, vous pouvez vous faire plaisir comme vous voulez. Ça peut être avec un petit peu de saumon fumé, un peu de lard, ou si vous voulez vraiment vous régaler, vous faire plaisir, une petite lamelle de truffe. On ferme notre œuf en faisant un petit ballotin. On le tourne gentiment. Et voici, notre œuf est complètement enfermé. On prend une ficelle que l'on tient. Et hop, on entoure notre œuf. On fait, c'est pratique avec les gants et les gros doigts, un petit nœud, et voici. Notre œuf va partir en cuisson sur une eau légèrement frémissante pendant 6 minutes. Et hop. Donc là, voilà, là, montage vidéo, hop, effets spéciaux. Voilà, notre œuf est cuit, on le récupère. Le sort et on va passer au dressage. Pour vous donner une petite idée, je vous ai préparé une petite recette avec une crème de thon au curry et une petite tombée d'oignon au lard fumé. Vous, chez vous, vous vous l'appropriez et faites cette technique comme vous voulez. L'œuf, un mariage parfait avec plein de choses. On prend notre œuf. On va découper. Délicatement. Et aller chercher avec la cuillère à démouler l'œuf sans casser le jaune. Important de bien huiler notre papier film pour qu'il sorte. Nickel. On pose notre œuf poché. On rajoute notre petite compotée. Fleur de sel. Graines de sésame torréfiées. Un petit peu de coriandre fraîche ciselée. Et voilà, une petite entrée des fêtes. Réaliser. Vérification de la cuisson de notre œuf, si on a été bon. Nickel. Voici notre petite astuce, comment réussir un œuf poché pour vos fêtes ou pour tous les jours. Un plaisir à faire, à réaliser, à s'approprier la recette, à faire avec les enfants. C'est un régal. Simplicité, efficacité. Passez des bonnes fêtes, amusez-vous bien, n'hésitez pas à nous partager vos idées, vos recettes.